grand-père, madame la directrice, chers parents et amis du Châtelard, chers collaborateurs, chers élèves, nous voici réunis pour la cérémonie de remise des diplômes qui clôt l'année scolaire 2017-2018. Je vous remercie chaleureusement de nous honorer aujourd'hui de votre présence en ces dates si importantes pour chacune de nos élèves. Notre cérémonie se déroulera comme suit. Tout d'abord, le discours de Madame la directrice Veronica Canales. Ensuite, la remise des diplômes du corps des dames. Puis, la remise des diplômes du Châtelard pour nos élèves. Deux élèves prononceront un discours. Suivra le discours de nos parents de promotion et la remise des prix spéciaux, ainsi qu'un hommage aux anciens élèves ici présentes. Finalement, la remise du prix Intera Mulier. La parole est maintenant à notre directrice, Veronica Canales. Révérend Père, chers parents, chers membres du Châtelard, chers amis, chers élèves, aujourd'hui se termine une étape importante dans vos vies. Une étape qui a commencé il y a 10 mois, dans ce théâtre, avec la remise de l'uniforme du Châtelard. Quand je vous motivais à profiter de cette année pour vous connaître et grandir en tant que personne, et à devenir la meilleure promotion que le Châtelard a eue, à devenir chacune la meilleure version de vous-même. Aujourd'hui, 10 mois après, je peux vous assurer que vous avez réussi. Chacune a bien profité de toutes les opportunités pour grandir. Aujourd'hui, 10 mois après, je peux vous assurer que vous n'êtes plus les mêmes, que vous avez changé. Comme nous l'avons fait pendant les week-ends de promotion, je voudrais aujourd'hui consacrer ces discours aux 3 mois. Se rappeler, remercier, s'engager. Se rappeler. Nous rappeler et reconnaître ensemble la merveilleuse année que nous avons vécue. Se rappeler de chaque mois, de tout ce que nous avons fait, expérimenté, vécu. Se rappeler des cours que vous avez eus depuis les premiers jours, quand vous comprenez à peine le français, jusqu'à aujourd'hui, quand vous le maîtrisez bien. Se rappeler des week-ends, des excursions, des voyages, des temps de pays, d'anecdotes et d'aventures que nous avons vécues. Se rappeler des rencontres avec les autres cultures et religions qui ont élargi vos horizons. Se rappeler de la saison du ski, de la joie de se lever tôt et de l'effort et le courage d'y aller, consciente des défis qui vous attendaient. Se rappeler aussi des moments de rencontre avec Dieu, les messes, les adorations, les pèlerinages en Terre Sainte et à Lourdes, des moments où nous avons fait l'expérience d'un bonheur bien différent, qui vient uniquement de Dieu et qui remplit l'âme. Se rappeler des moments ensemble que nous n'oublierons jamais et qui ont contribué à votre expérience ici au Châtelard. Mais surtout, rappelez-vous de 3 choses. La première, que le bonheur ne vient pas de l'extérieur, que nous le portons dans nous. Comme je l'ai toujours dit, le bonheur ne consiste pas à acheter, à voyager, même pas à être reconnu. Ce sont des moments heureux, certes, mais qui passent. N'oubliez que le vrai bonheur vient de l'amour, de connaître et de faire l'expérience que l'amour de Dieu pour nous et d'aimer les autres et leur transmettre cet amour. Deuxièmement, de ce que vous valez en tant que personne. Peu importe où vous êtes, qui vous êtes et ce que vous savez, votre valeur est bien plus grande que cela. Les difficultés que vous pourrez avoir dans votre vie ne vous diminueront pas. Au contraire, elles seront des occasions pour grandir. N'oubliez jamais que vous valez plus que n'importe quelle contrariété ou problème. Et troisièmement, rappelez-vous à quel point vous avez grandi, chacune. L'année a été marquée par des défis simples et des défis bien plus compliqués. Cependant,
Vous avez bien profité de ces défis et grâce à eux, vous avez bien grandi. Et grandir ne veut pas dire réussir partout, mais en avoir les désirs, avoir un esprit de combat, vouloir devenir une meilleure personne. Pour grandir, il faut prendre en considération les échecs et les chutes sans y rester, en s'élevant, en réparant et en aller beaucoup plus loin. Grandir peut être douloureux, mais ça vaut la peine. Après de se rappeler, remercier. Remercier Dieu pour la vie et pour cette occasion. Remercier vos parents pour avoir fait l'investissement de vous envoyer dans cette école. Remercier l'équipe du Châtelard qui vous a accompagné pendant ces 10 mois, dans les moments faciles et dans les moments difficiles. Remercier vos camarades ou vos sœurs, car ensemble, vous avez fait de cette année l'une des meilleures années de vos vies. Et après savoir remercier, s'engager. S'engager auprès de Dieu, de votre famille, de vos amis, de votre société, mais surtout auprès de vous-même. Engagez-vous à vivre tout ce que vous avez vu avec clarté et à laisser une trace chez les gens que vous rencontrerez. Que personne ne puisse rester indifférent après vous avoir rencontré. Engagez-vous à continuer à grandir, à devenir des meilleures personnes chaque jour et à aller plus loin dans la vie. Ne vous contentez pas de la médiocrité, soyez les meilleurs. Choisissez correctement votre chemin dans la vie. Et après l'avoir choisi, consacrez toute votre énergie à donner le meilleur de vous-même. Cela vaut la peine et vous êtes capable de cela et bien beaucoup plus. Chers élèves, félicitations pour cette année que vous terminez. Je vous souhaite le meilleur pour le futur. Continuez à placer bien haut le nom du Châtelard et n'oubliez jamais qu'ici sera toujours chez vous, votre famille du Châtelard. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Madame la Directrice. Nous allons maintenant procéder à la remise des diplômes du cours de savoir-vivre des dames. Veuillez vous approcher. Noémie de la Rocha. Rocío Díaz. Carolina Figueroa. Araceli Flores. Ana Gabriela García. Alejandra Gutiérrez. Carmen López. Alejandra Mondragón. Margarita Reyes. Carola Rico. Josefina Ruiz. Claudia Salinas. Claudia Sánchez. Carla Leticia Tamayo.
Merci beaucoup, mesdames. Nous allons maintenant procéder à la remise des diplômes du châtelard et des savoir-vivre pour chacune de nos élèves. En les appelant, je nommerai également les vertus par lesquelles elles se sont distinguées tout au long de l'année. En classe de 9e, s'est distinguée par sa responsabilité et sa docilité Sofía Martínez. La discrétion et la maturité dans les réflexions, Laetitia Orozco. S'est distinguée par sa maturité et sa noblesse de cœur, Almudena Rodríguez. Son sens de l'humour et son esprit sportif, Regina Solorzano. Sa ténacité et sa fidélité à sa parole, Sofía Tamayo. Sa spontanéité et ses efforts pour s'améliorer, Renata Torres. Sa joie de vivre et sa personnalité positive, Elisa Valencia. Sa spontanéité et sa maturité, Lucero Zúñiga. En classe de 8e, s'est distinguée par sa discrétion et son amitié fidèle, Daniela Araiza. Sa disponibilité et sa bonté de cœur, Viviane Blanco. Son courage et son dépassement personnel, Marina Bordales. S'est distinguée par sa maturité et son authenticité, Maria Camila Briviesca. Son autonomie et sa détermination, Ana Sofía Cadena. Sa spontanéité et sa sincérité, Daniela Cavazos. S'est distinguée par son esprit de lutte et sa bonté de cœur, Montserrat Jiménez Domínguez. Montserrat Domínguez. Sa sérénité et son travail intellectuel, Jimena Aguiluz. Sa simplicité, sa gentillesse, Isabel Fernández. S'est distinguée par son autonomie et sa détermination, Belén Garza. Sa bonté de cœur et sa docilité, Margarita Garza Barrera.
s'est distingué par son sens de la camaraderie et son esprit positif, Balbina González. Son autonomie et sa ténacité, Jimena Lankenau. Sa simplicité et son esprit d'effort, Barbara Llano. S'est distinguée par son aide et son esprit d'effort, Natasha Márquez. Son esprit de ténacité et son sens du détail, Valeria Martinez. S'est distingué par son esprit de camaraderie et sa joie, Viveka Munch. S'est distingué par sa joie et sa docilité, Rocío Soto. Son esprit de dépassement et sa simplicité, Isabella Suárez. S'est distingué par sa persévérance et sa générosité, Alejandra Villarreal. Félicitations à toutes nos élèves pour cet effort, pour ce diplôme. J'invite à présent Maria Camila Briviesca et Viviane Blanco à nous adresser quelques mots en représentation de leurs camarades. Révérend père, cher professeur, chers parents, chers élèves, chers amis, nous savions tous que ces jours arriveraient. Nous l'attendions avec émotion et, en même temps, nous ne voulions pas qu'il arrive. Quand nous sommes arrivés ici, nous avons trouvé difficile d'être loin de chez nous. Après, ce lieu est devenu plus qu'une académie. Il est devenu notre maison. C'était comme quitter notre monde pour en découvrir un nouveau. Une nouvelle langue, de nouveaux visages, une nouvelle culture. Cependant, rien ne nous a empêchés de faire de cette année la meilleure année de notre vie, n'est-ce pas? Une sœur est celle qui est à tes côtés, dans le bonheur et dans le malheur. Une sœur est celle qui te donne sa confiance, qui te fait rire quand tu en as plus besoin, qui, en plus d'être franche, se te donne de bons conseils. Je me souviens encore du premier jour au Châtelard. Tout était si différent que nous nous demandions si toutes ces inconnues pouvait vraiment devenir nos sœurs, comme le disaient les élèves de promotion précédente. Je peux vous dire que la réponse est oui, et nous l'avons acceptée et découvert petit à petit. Au début de l'année, beaucoup d'entre nous voulions que l'année se termine, parce que notre famille nous manque. Rappelons-nous de ces jours et prenons conscience de tout le temps qui est passé. Nous avons tellement profité de chaque instant que nous n'avons pas vu le temps passer. Je me souviens que nous comptions les jours, avant le voyage, avant de rentrer chez nous en décembre et avant ces jours-ci. Maintenant, je suis sûre que nous allons compter les jours qui vont passer avant de nous revoir. Nous avons tout appris à nous accepter, à nous aimer, à faire face à difficultés avec un sourire, à rire de nos absurdités, à pleurer ensemble quand nous devions dire au revoir à une fille, à faire les clowns en cours, à faire des farces, à offrir le meilleur de nous-mêmes et le plus important,
à devenir des sœurs et à profiter de cette opportunité que Dieu nous a donnée et que nos parents ont placée sur notre chemin. Merci maman, merci papa de nous avoir permis de vivre cette grande expérience de vie. Nous savons qu'il n'a pas été facile pour vous de vous séparer de votre fille pendant si longtemps, comme pour nous d'être loin de vous. Sans vous, nous n'aurions pas eu l'occasion de profiter de cette année. Merci à vous toutes d'avoir rendu nos journées plus légères et les cours plus intéressantes. Merci de nous avoir toujours encouragés à être de meilleures personnes et à découvrir les côtés positifs des choses. Cette année n'aurait pas été la même sans chacun d'entre vous. Et maintenant, nous partons en sachant que nous pouvons compter les uns sur les autres, que nous serons toujours disponibles. Tout au long de cette année, nous avons été accompagnés par Letty et Maïté, qui pendant ces 9 mois nous ont aidés à grandir dans notre vie spirituelle en tant que personnes. Par Rosa, Paula et Christine, qui nous ont aidés à être plus responsables. Par le Père Fergus, qui a toujours été là pour nous aider à nous rapprocher de Jésus et de la Vierge, et qui nous a fait rire avec ses blagues. Nous avons aussi été accompagnés par Vero, qui a toujours été attentive à nos besoins, par Scarlett, qui a toujours cherché notre bien et qui nous soutenait dans les difficultés, par tous les membres du personnel, qui, jour après jour, nous ont aidés avec nos besoins, qui se sont assurés que rien ne manquait, par les professeurs, qui nous ont enseigné qu'apprendre une nouvelle langue n'est pas si difficile que cela, et le plus important. Nous avons été accompagnés par un grand ami, Jésus. C'est lui qui a été et qui sera toujours avec nous. Est-ce que vous vous rappelez du jour où Vero nous a demandé d'être la meilleure promotion que les châtelards aient jamais connue? Eh bien, je crois que nous l'avons été. Maintenant, il nous faut partir. Nous avons une vie dans nos corps, car nous laissons des moments qui ont marqué nos vies. Mais ce que nous avons commencé ici n'arrive pas à sa fin. Tout continue. Merci d'avoir tant donné en si peu de temps. Je cède la parole à présent aux représentants des parents d'élèves de la promotion, Monsieur et Madame Fernandez. Buenos días a todos. Me tocó a mí dirigirles unas palabras en este día tan bonito y especial para ustedes. Quiero decirles que es un regalo para Aldo, mi esposo, y para mí estar aquí al frente hablándoles. Terminan un ciclo escolar increíble en sus vidas y son muy afortunadas por el regalo que Dios, a través de sus papás, les dio. Regresarán a su ciudad con su familia, sus amigos y su círculo social. Y ahí es donde realmente ustedes deberán vivir esa riqueza espiritual y humana que se llevan de este colegio. Niñas, sean siempre mujeres auténticas y valientes para defender y vivir sus valores. Se llevan de este año unas amigas entrañables para toda la vida. Consérvenlas. Aldo y yo les daremos un recuerdito y escogimos una cruz para que siempre tengan presente que el regalo más grande que se llevan de Le Châtelard no es el francés o los viajes, es a Dios y la Virgen en sus corazones. Mucha suerte en su regreso a casa. Gracias. Nous allons maintenant procéder à la remise des prix spéciaux. Les médailles qui seront attribuées dans les différents aspects de la formation humaine, spirituelle et intellectuelle, montrent l'excellence de la formation intégrale à laquelle les jeunes filles ont inspiré tout au long de cette année. Les élèves primées seront celles qui se sont distinguées par leur comportement, par leurs efforts académiques, leur savoir-vivre, leur travail en formation catholique, leur travail en français et finalement leur moyenne générale. Les élèves obtenant le prix de la meilleure moyenne générale ne recevront pas de médaille dans les autres matières, puisque leurs bons résultats dans l'ensemble de la formation académique seront illustrés par le titre de l'excellence. Je vous invite à applaudir les élèves nommés avec les honneurs mérités, mais aussi avec la discrétion requise pour cette cérémonie. Comportement.
reçoit la médaille du meilleur comportement en classe de 8e, Isabelle Fernandez. Reçoit la médaille du meilleur comportement en classe de 9e, Almudena Rodríguez. Effort. Reçoit la médaille qui récompense les meilleurs efforts académiques réalisés en classe de 8e, Margarita Garza Barrera. Reçoit la médaille qui récompense les meilleurs efforts académiques réalisés en classe des 9e, Elisa Valencia. Savoir-vivre. Reçoit la médaille de savoir-vivre en classe de 8e, Maria Camila Briviesca. Reçoit la médaille de savoir-vivre en classe de 9e, Almudena Rodríguez. Formation catholique. Reçoit la médaille de formation catholique du groupe A, Jimena Eguiluz. Reçoit la médaille de formation catholique du groupe B, Sofía Martínez. Français. Reçoit la médaille de français en classe des juniors A, Jimena Eguiluz. Reçoit la médaille de français en classe des juniors B, Maria Camila Briviesca. J'appelle maintenant les élèves qui ont mérité d'être sur le tableau d'honneur annuel, c'est-à-dire les élèves qui ont obtenu une excellente moyenne au premier semestre et au deuxième semestre. Maria Camila Briviesca. Jimena Eguiluz. Thank you.
Isabel Fernández. Valeria Martínez. Alejandra Villarreal. Leticia Orozco. Lucero Zúñiga. Nous allons maintenant décerner le prix académique le plus important, le prix de l'excellence. Il sera remis à l'élève qui a obtenu la meilleure moyenne générale de l'année et a donc excellé dans tous les domaines. Se voit décerner l'excellence académique en classe des 8e avec la meilleure moyenne générale annuelle, Alejandra Villarreal. Se voit décerner l'excellence académique en classe des 9e avec la meilleure moyenne générale annuelle, Leticia Orozco. Félicitations à nos élèves pour leur effort constant et fécond tout au long de cette année de formation intégrale. J'invite maintenant les anciens élèves du Châtelard, aujourd'hui présentes, à s'approcher de la table d'honneur pour recevoir une attention, un hommage à leur participation. Roberta Cavazos. Daniela Hernández, Ana Paula Martínez. Jimena Páez. Teresa Páez.
et Fernanda Páez. Merci beaucoup, mesdames. Le moment est maintenant arrivé de présenter le prix Integra Molière. Le prix Integra Molière est remis à l'élève qui s'est distingué par plusieurs qualités, parmi lesquelles la joie, le vrai don de soi, le respect, la sincérité. Et met en pratique en tout temps, à l'école comme en dehors, les vertus humaines et chrétiennes qui inspirent chez les autres le désir d'être une meilleure personne. C'est une étudiante qui a intégré les principes et les valeurs du Châtelard. Ces valeurs que le Châtelard défend et qui coopèrent afin que d'autres élèves se sentent elles aussi intégrées. 4 élèves ont été choisis par leurs camarades, leurs professeurs et leurs formateurs par le biais d'un vote secret. Seulement l'une d'entre elles a été désignée comme Integra Molière. Ces 4 élèves sont Bibiane Blanco, María Camila Bribiesca, Almudena Rodríguez, Isabel Fernández, médaille du prix Integra Molière de la promotion 2017-2018 revient à María Camila Bribiesca. J'ai pris ses parents de bien vouloir me rejoindre. Je vous remercie vraiment de votre attention et je vous rappelle que vous pouvez retirer les bulletins de votre fille à la réception. Nous aurons le plaisir de nous retrouver ici, plutôt dans la chapelle extérieure,
à 11h45 pour célébrer la messe d'Action des Grâces pour cette année. Excellente journée à tous. Nous aurons une dernière photo avec tous les élèves et les parents des promotions. Merci beaucoup.